Ouais, bah ouais. Ah bah faut pas être un champion dans ce cas, faut mettre en pro hein. Quand tu vois les grosses équipes, mais pro hein. But qui m'a mis, les deux buts qui m'a mis, ils m'ont mis un dans. On était à la 45, à la 47ème dans les arrêts de jeu. Alors que je gagnais quand même Ouais. 2-0, donc ça fait 2-1. Puis à un moment il y a 2-2, tu vois, j'ai remonté au score. Non, il a remonté au score, 2-2. Le mec il met pas un but à la 93ème. Ouais, comme Les d'hab. deux buts dans les arrêts de jeu, je fais ah le fils Ouais, de. comme d'hab. Clash d'équipe, c'est vraiment scripté de ouf. C'est un truc de malade quoi, j'ai Là, des fois, halluciné ouais. quoi. Attends. Tu sais, je voulais dire à Thomas, vas-y, je vais jouer en champion, ça je peux pas le beat, tu vois. Et ben en fait, si, mais je me rappelle pourquoi je jouais pas en champion en fait. C'est pas parce que c'est dur, c'est pas dur, mais c'est scripté de ouf, c'est vraiment scripté quoi. Les gens ils te mettent des buts dans des arrêts de jeu, truc qui a rien à voir, tu vois ce que je veux dire. Oh, c'est stylé ça, moi je veux ça. Alors, attends, c'est. Détail Alors, du on lot. était. Oh, c'est trop stylé. Ah, oh, c'est trop classe. Dans la boutique de Tezo, là, t'as des armes crépusculaires, donc en mode des armes. Comme si t'étais un mage et que t'invoquais des armes en fait. Ça, c'est des armes fantomatiques. T'as dit quoi à Dofus? Non, des armes fantomatiques. Ouais, mais dans quel jeu? Dans Tezo? Ah, j'ai. Je sais pas pourquoi j'avais compris tes Dofus. Je me dis, ok. Non, pas d'offus sur bon, ça va. Ensuite, il y a Mingle. J'aimerais bien qu'ils remettent les tenues là, que je veux. Putain. C'est combien l'abonnement sur Tezo? Laisse mes os tranquilles. Ah oui, l'abonnement de d'un an, hein. 124 euros. Il fait beaucoup quand même. 12, 13 euros par mois. T'as la 81 et la K. Ouais, maintenant pour les SBC, je me fais pucher. Je vais sur Millennium. Et puis j'ai solution. C'est pas de la triche, hein. Bah non, c'est C'est Solus. quand tu vois le feu. Quand tu vois les. Le. Là, je suis sur le truc hybride. Quand tu vois ce qu'il faut. Ah, mais c'est du. Hier, j'en ai Ouais, fait un. mais J'ai passé 2h30 à faire un SBC parce qu'il fallait tant de. Il fallait des gens du championnat là, il fallait plusieurs bon, nationalités, il écoutez, fallait s'il que vous deux plaît, nationalités. Ouais, j'ai votre fait, voyage vas-y, court un fuck. grave danger. Puis avant d'aller coucher, je dis vas-y, Sombre Julien, ennemi je vais n'est vas-y, pas Thomas, encore je vais mort. regarder sur Et l'esprit ce du minimum jour ne et peut voilà faire quoi. le Il y a déchant. plein de. Ouais. Même pour les Nous avons SBC, en fait, l'assurance ils te que les donnent le sorciers qui prix, menacent ça votre coûte. royaume Diadème de et ils donnent les compagnon. joueurs les Oui, moins oui. chers, quoi. Ouais. Montrez-lui. Donc, Il y a ouais, tu peux le d'autres faire, options. il. Ah, je peux pas les faire. Genre, nous on va prendre un joueur, on va dire à 80, on va penser à Idovski, alors que Minium il pense à un joueur qui est 81, qui est pareil, mais qui est beaucoup moins cher, qui est de la même Ouais, nationalité, tu mais vois. c'est des mecs qui savent. Pour ça, les SBC, moi je me ferais plus chier quoi. Tu vois, Barcola, hop, 700, hop, j'achète. Et après, j'ai plus de thunes. Ouais, Il me parce que du coup, manquera 3 en joueurs. début d'après-midi, c'est Jason qui reprend la scie. C'était pas Kevin, tu vois. Depuis de Puis quoi? le tronc qu'il y avait, il était un peu chiant. Alors au début, c'était que de la merde. Enfin, tu sais, c'était pas droit au début. Enfin, c'était pas. C'était genre, t'as. Oh, tu sais, t'as le côté du tronc, le gros, et puis après, ça s'affine. Ouais. Au début, c'était que gros, donc tu sais, il est obligé de tailler bah, petit bout par petit bout. Puis au bout d'un moment, je me dis, putain, celui-là, vas-y, il est pas mal. Je le recoupe. Après, ça fait une putain d'étagère. Peut-être, je vise un tout, quoi, putain. Putain, j'aurais dû recouper. En vrai, du coup, ça peut même en faire deux. Recoupe au milieu, ça en fait deux. Après, au bout d'un moment, Kevin qui arrive, j'ai fait une étagère. Je fais, ah non, mais t'as bien raison. Je vais quand même lui dire. Sorune doit me croire bien faible pour penser que sa demi-géante C'est pour ça que pourra tout à me l'heure, j'ai tendre envoyé le 20 bras balles. et m'étourdir de mensonges. On ne me berne pas si Donc là, il manque facilement, trois persos. Je une vois, hop, je sorcière crois que de c'est la crevasse. des Elle persos ne à représente 80. aucun Attends, il y danger. a un. Nous Ah ouais, repoussons d'accord, ces je vais aller voir comment sorcières ça. depuis Du coup, sur toujours. Skyrim, ce matin, j'ai Mon mis des nouveaux frère de mods. l'Est s'incline devant un buveur de Ah ouais? lait qui Ouais, était j'ai remis bohème. truc Je pour l'eau. refuse qu'une Et personne puis pour comme les vous forêts. me fasse la leçon. On verra ce que ça donne. Alors, 750. Des histoires qu'on raconte autour des feux de camp pour effrayer les enfants. Ce ne sont pas les Karzevska, ok, tempêtes d'accord. qui manquent dans mon royaume, On va me faire un et café. aucune n'a jamais engendré de monstre. Le dernier espion qui Un m'a parlé de ce genre de Karzevsk. choses, eh bien,
Il ne parle plus de ce genre de choses. Je suis le loup de solitude. Ah, c'est un mec. Okay. Je connais. Ah, non, c'est une meuf. Je la soupe ce soir. Fais chier. Plus 500. De la soupe ce soir. Dragowski. Drago Malfoy. En fait, là, ça me donnera un super pack, enfin un méga pack. Ouais, c'est ce que t'avais dit dans le groupe, non? Ouais. Tu vois que je lis les messages. C'est bien. C'est un peu le but, quoi. Bah, j'ai jamais dit que je les lisais pas. Hein. Donc, 1050 divisé par 500, ça me fait 4 matchs. Bah, let's go. Après, je dis tout. Hop. Week-end de 3 jours. Donc il y a le match là, et après il y a les 3 autres matchs et... Bah vas-y, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. T'as aujourd'hui mon jeu là de, d'image par IA, c'était facile le truc du jour. C'était une bouche ouverte avec un chat dedans. T'as une équipe qui s'appelle Paris US. C'est du clash d'équipe 1. Moi je suis à 90, 88, 88, elle est à 90, 89, 86. Du coup si je te dis du coup genre une bouche ouverte avec un chat dedans. Expression c'est quoi? Chat. Non. J'ai un chat dans la gorge. Ouais, avoir un chat dans la gorge. Et t'as trouvé ces deux hier alors? Non, non j'ai à peu près, j'ai fait une tamer. J'ai pas un cheveu sur la soupe ou un truc comme, y'a un délire avec la soupe. Ouais mais c'est pour ça ouais, j'ai avoir un poil dans... j'avais mis un poil dans sa... avoir un poil dans sa soupe, je sais pas quoi tu vois mais... Nous vous laissons à votre peine, sire. Mais c'est ah, con, genre pas, le... pas de velours, peut-être, non. C'est la velouté, velours. Non, bah non, non, ça n'a rien à voir. Je sais pas. Et en plus, le truc là, il a pas de solution. Genre, quiz journée, solution. C'est quand je mets quiz journée, solus. Il y a jeuxvideo.com qui me propose le jeu Journey, qui a rien à voir, tu vois. T'as un appareil, hier on a parlé avec Thomas et je sais pas, parce qu'en fait, tu sais, on regardait le dernier niveau du pass de saison. Mm-hmm. Et puis il me dit, ouais. T'en penses ah bah quoi, en parlant de Thomas. Il me dit t'en penses quoi Smith. Et bah je mise, on a regardé ses playstyles. La meuf elle a duel aérien. Elle a tête puissante. Oh, wow. Ce qui veut dire sur les pour corners. Les corners tu... ouais. Voilà quoi. Voilà. En plus elle a le playstyle et son playstyle principal c'est coup de pied arrêté. Mais elle a moyen sur corner. Je suis en live, je peux pas me permettre de faire des accents. Et du coup, quand je l'aurai, je vendrai peut-être un attaquant genre Bergkamp ou. Ouais. Bah, de toute manière, je la mettrai jouer avec la meuf, hein. Que ça y aura Smith et Prince. Ouais. Il vient de marquer Kane, ce fils que de faisiez-vous Patrick. Pour de ma mère la menace je suis pas offensif. Quelle menace Joker. Vous pensez que nous c'est ça qui a motivé son assassinat? Et vous l'avez dit à mon père? A-t-il mobilisé les soldats? Alerté les autres forts? Mon père voit des complots de jour une partout. Même dans son ragoût de gibier. Je refuse que ma mère soit mec, morte. Mec, il a Zidane, Davis, Mbappé, ça confiance. Va tranquille quoi. Ah oui, bah heureusement j'ai un gardien quoi, putain. Père, je vous en prie, retrouvez ceux qui ont fait cela et arrêtez-les. J'ai vu l'assassin. Il était rapide. Le prochain que je veux acheter, c'est Bobby Moore. Il a bondi par la fenêtre après avoir poignardé ma mère. Les gardes réagissent. Parce qu'il a le même. C'est un DC 90. Et il a le même playstyle que. Il était rapide, Renard. Tu sais, il peut prendre les ballons sans tacler. Il était déjà reparti. Et ça, en rival, c'est très pratique parce que t'as pas besoin de tacler pour prendre le ballon. Ça, je l'ai pas bien vu. Et en deuxième remplaçant, il y aura peut-être Laurent Blanc parce qu'il a la même chose. Ok. Parce que là, j'ai l'équipe, mais maintenant, il faut que j'ai des remplaçants aussi, tu vois. Par contre, il y a un truc séchant, c'est que, en fait, Trezeguet, c'est un MC.
Et quand le propos demande de le remplacer, en fait, il le remplace par un attaquant. En fait, quand Kane il est fatigué, il demande Trezeguet. Alors que, toi, le jeu, il a pas fait la différence. La dernière fois, c'est chiant, quoi. Je lui ai parlé, je lui ai jeté une tasse au visage. Par contre, il me met Kimmich en DD, donc ça, c'est la bonne place. Juste et en milieu, il me met Oberdorf. Par contre, Oberdorf, elle est décée, quoi. Elle m'a demandé. Mais des fois, le jeu, il met la bonne place. Alors que Kimmich, tu peux jouer en milieu aussi, tu vois. Mais pas la décevoir. Encore une fois, j'ai fait des remplacements. Enfin, j'ai une liste de remplaçants qui est nickel, quoi. Après c'est le jeu qui me trigger, quoi. Putain, mais même en clash d'équipe je me tape que des icônes. Même dans les clash d'équipe t'as des une forme de d'étalonnage, quoi. C'est un match de catch ou quoi là? Non, j'ai installé Monopoly Go là. Hein, je sais pas, j'ai entendu comme une cloche de. Oui, parce que t'avais sur le. Tiens, truc de la gare. Okay. Mon père, m'écoutez. Quand les Orqueurs auront des ailes, peut-être, et encore. Il a fait une croix sur moi. Pardon. Je ne vous sers à rien, ni à vous, ni à personne. Je ne suis pas ma mère. Allons, princesse. Mettons-nous à l'abri. Guilde de démarche. Ne m'appelez pas princesse. De toute façon, Tezo, faut toujours fouiller les bibliothèques. Et dès que tu vois un meuble avec des livres, faut le fouiller. T'es sûr que c'est ta meilleure des trucs. C'est comme sur Skyrim, en fait. Skyrim, c'est pareil. Tu lis des livres et ça t'améliore des compétences. Mais. Ah non, mais non, j'ai pas démarré à Pibioc, j'ai rien dit. J'allais dire, mais. Ok, my bad. Salut. Merde, je suis trop con, je pensais que j'avais démarré la pipi box, mais en fait non, j'avais juste démarré un vocal avec Sam. Pour ça, je me disais, bah c'est bizarre, il vient pas Thomas. Bah oui, depuis je vais sur Discord, je vois qu'il y a pas, je me suis dit attends. Ouais, non, mais c'est moi, je croyais. Ça va? Ça va, tu veux une étagère à 20 balles? Pourquoi pas. Elle m'a l'air d'être très solide en tout cas. Ah bah, c'est du solide, hein. Eh quand même, je vais pas c'est prendre de la merde quand même. Ma femme. Ouais, si le bois il vole, c'est du solidaire, quoi. Il est solide d'air. Le bois solide d'air. On lui a arraché toute chaleur. Ça c'est quoi, genre, ouais, ça va, hein. Au fait, Juju. Oui. Faut qu'on discute d'un truc, toi et moi. Oula. Pourquoi sur mon compte Play, j'ai trouvé une partie d'Oblivion avec écrit ton nom dessus? Parce bah que c'est moi, tu te souviens plus? Tu sais, j'avais ton compte et tu sais, t'avais l'abonnement machin et je voulais tester Oblivion. Et je l'avais. Tu sais, je l'avais pris. Mais. C'est censé être sur ton compte? Bah oui, mais. Après ça, je sais pas pourquoi ça a fait sur ton compte. Parce que, en fait, en jouant sur Oblivion, je me suis dit, tiens, je vais un peu découvrir le jeu et tout. Puis je vois un perso déjà fait, je me dis, mais je suis sûr de ne pas avoir joué. Bah ouais, c'est bizarre que tu le vois avec ton compte et. Ouais, c'est bizarre, par contre. Parce que je l'avais mis avec ton compte, puis après, tu sais, je vais sur le mien, tu sais, comme pour les jeux PS4, PS5, quoi. Ok. Ouais, bah, je pense que ça a dû faire, une sorte de sauvegarde, ou je sais ouais, pas quoi. Ouais, je pense. Tout le monde allait dans la même direction. Une sauvegarde cloud. Sauf un homme. Non, possible. Pas un homme. Il portait un bandeau sur l'œil, mais son visage était bestial. T'as du coup, tu veux voir Solitude? Tellement vite. Il courait vers la nécropole. Il ne s'est même pas retourné pour voir ce qu'il avait fait. Hein? On est en groupe là du coup. Solitude, c'est mieux de le voir tout seul. Putain, vous me fatiguez. Hein. Déjà que je suis crevé du boulot, vous me fatiguez encore. Ah, fais pas style. Fais pas style, t'as tout, tu prends rien, t'as le temps de filmer et tout. Je prends rien, tu te fous de ma gueule. Bah si, bon, le sabit, qu'est-ce que tu dis? Jason, il a la scie, il y a Ricky. Bah normal, tu veux que je fasse quoi? Putain, j'ai fait une blague à une lame et la Siri, quoi. Francis la lame et Ben Laden. La Siri, tu la vois tous les jours, la Siri, quoi. Est-ce que tu vois Daesh aussi ou pas? Ça explose. C'est explosif. Il voit pas des Daesh, il voit des H. Je suis en live, mais c'est pas grave. Pas grave. Bah oui, c'est pas grave.
pas grave, on parle de la série, il n'y a pas de oui, oui, non, 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 t'as dit un prénom, c'est pas la série là. Hein. Mais non, je dis des H. Il voit les oui. H. Ah oui, avec Jamel, ok, ouais. Question Univers Solitude, Thomas. Vas-y, attends. Parce que je suis dans le souterrain sur le diamant là. Mais franchement, je suis plutôt content. Je vais sur Pokémon Go, ballon Team Rocket. D'un coup, je vois Giovanni. Je me dis putain de sa mère, il faut que je l'affronte. Et là, ce bâtard, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il me sorte Regigigas. Je me suis dit, je suis foutu. Et ben, en fait, même pas. Je suis mort une première fois. Enfin, il m'a défoncé une première fois. J'y suis retourné une deuxième. J'ai mis une tollée. Ah, j'ai eu des jours de vendu. Je suis à 63 000 là, du coup. Ajuster le prix manuellement. Attends, Julien, j'arrive. Hein. Je vais regarder ça. 2200. J'ai encore le truc blindé, j'ai juste de joueurs au fait. Je suis à 53 dans la liste des transferts. Là. Et Parzi aussi, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'hier hier soir, j'ai repaqué De Ligt. Et du coup, De Ligt, il revient dans l'équipe. Quoi. Enfin, il fait partie de mon collectif. C'est la régula, hein, mais sur des décès, j'en ai plus. Avec Klosterman, j'ai revendu. Hummel aussi, j'ai tout revendu. J'aurais peut-être pas dû. Et avec De Ligt, il y a Oberdorf, donc j'ai toujours deux défenseurs, tu vois. Ouais. L'ami sur local, j'ai envie de les enculer. Hein. Franchement, oh, ça c'est. Ouais. Parce que tu vois, hier j'y vais pour. T'as déjà dû faire ça, tu sais, pour le fin de contrat et tout, quand ils te versent de l'argent. Donc j'y vais et tout, machin. Je signe et tout. Et je signe le papier, elle me dit tu signes, gars, machin, je suis ok. Et la dame, bah, la secrétaire, elle est au tel et tout. Et du coup, elle voit que j'ai signé, elle me fait genre ok, bah merci, tu vois. Et je dis bah de rien, merci à vous et tout, enfin bref. Ouais. Et elle m'appelle ce matin et elle me dit tu sais le papier et tout machin. Je dis bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit bah par hasard tu l'aurais pas repris. Quand elle me dit ça, je me dis putain ça y est, ils ont paumé le papelard. Bah ouais. Et elle me dit parce que pas moyen de mettre la main dessus et tout machin. Je lui dis ah bon? Elle me dit oui, je fais pourtant je vous l'ai redonné hier et tout hein. Elle me dit ouais je sais mais c'est juste qu'on le retrouve pas et tout, je fais bon d'accord ok. Elle me dit tu pourras revenir et tout. Dans ma tête je me suis dit aujourd'hui j'ai pas prévu de sortir, je dis ouais je repasserai, du coup j'irai lundi. Ils se foutent de ma gueule, j'ai horreur qu'on se foute de ma gueule comme ça. Après voilà ça arrive, je comprends, mais le papier il était devant toi, comment tu peux paumer un truc devant toi? Ouais bah ça je sais pas. Attends faut juste que je regarde un truc avant de venir sur ton livre. Sur ton partage, je suis à où? Ah, dans 3 heures, ok. Ah. Donc il est 15h47, ouais. Il me manque 4 matchs, et puis j'aurai le Joker River, ok. Allez voir. Alors, montre-moi ce... Oh là là! Attends, je sors de la banque. C'est la place de l'exécution, ouais. Oh putain, c'est fou ça. Ouais, oh les boys. Viens voir son partage, Parzi. Il faut que je te montre un truc qui s'est passé hier. Je veux voir une frappe, ce que c'est une frappe magnifique. Il a pris du Skouma, arrêtez-le, Jarl. Jarl. Il a pris mon tel dangereux. Protégez vos armes. Comment ça c'est que je peux prendre ça? Putain, je vais leur piquer des trucs, hein, ma gueule. Une statue de Blizzaro apparaît, ok. Alors que j'ai que Blizzy. Vas-y, tiens, viens sur mon partage. Attends, hop, tac. Bah, Thomas, si tu veux revoir le but d'hier. Mais non, pas sur Twitch. Partage d'écran. Voilà, hop. Regarde. Ça me fait penser. Ça rend difficile. Bah, après, j'ai. Franchement, il vaut le coup d'œil, hein. Très clairement, j'ai tout assisté, j'ai bandé même. Voilà. Oh.
Tu parles à qui? Mon collègue a encore apporté du poisson. Bah, toi? Ah, pardon. Combien de fois va-t-il falloir que je lui... Si tu veux me montrer. Ah, alors, Seb, tu sais que si tu veux me montrer un clip vidéo, ça marche pas. Non, mais... Pourquoi? Bah, parce que... Le but c'est... du partage d'écran, c'est de te montrer les jeux, pas les clips vidéo, quoi. Oui. Il faut l'envoyer. Parce que si ça m'est impossible d'afficher l'écran actuellement. Pareil. Ah bah attends, je modifie alors. T'as l'arnaqueur, toi. Il veut faire style de flex et puis... Ah, déjà, tu baisses dans mon estime. Donc t'étais pas haut. Je baisse tout court, ouais. Oh, pas du tout non plus. Ah, il nous fait croire des trucs alors que c'est pas vrai. Croire des trucs, t'as vu. Et le petit Zygarde 10% qui fait plaisir, là. Qu'est-ce que je peux repiquer là-dedans? Après, en point de combat, ils en ont pas énormément. Reggie Gigas, il en a pas beaucoup, je crois. Hein. Il a qu'à 950, je crois. On attendait à plus, mais. Oh, un score plein. Apparemment, il est ouf son niveau. Qu'est-ce que je peux prendre? Allez, Dialga. Boule de bouche, on bouge les portes. Je te jure, je vais le prendre dans l'équipe, je vais le faire évoluer, ce bâtard. Ah! Attends de ce qu'il y a là. Aïe. Plécroix. Et du coup, la méthode du reset Dialga, j'ai laissé tomber, j'ai fait vas-y, nique sa mère, c'est bon. Ça, c'est bon, c'est envoyé. Arc explorateur. Putain, je revois, putain, il est magnifique quand même, hein. Putain. Paléosé. Pélong. Vas-y, vous me dites quand vous l'avez vu. Ouais. Non, je l'ai mis KO, putain, pourquoi j'ai fait ça? Non. Tant pis. Vas-y, faut qu'il évolue, là. Regarde ton but de merde, là. Hop. Protégez vos armes. Qu'est-ce qu'il veut, Crash? Qu'est-ce qu'il a envoyé, Crash? What? Quoi? Bah attends, il a fait le vol de McTony, il a pas fait le défi Elite et il a eu le paiement du défi Elite. Putain, ce bâtard. Comme quoi. Ah, du coup, voyons voir ce que t'as envoyé, toi. Alors, merde, ma Switch. Qu'est-ce que t'as envoyé? Ok, ouais, frappe en surpuissance. Ah, t'as de la chatte, hein. Ah non, parce que après j'en ai refait un plus tard et il est passé pas loin non plus. Ouais, bah c'est de la chatte s'il passe pas loin. Bah non. Bah si, un peu du coup. En rival, c'est pas de la chatte, non, crois-moi, non. Tac, tac, bah, tac. Quand j'ai marqué avec Klosterman, j'avais fait la même, hein. Ouais, un corner mal lancé. Et... Moi, je trouve ça va avec Grimaldo, c'est les. Les corners. Vous priez avec il moi les met tellement bien. Qui Grimaldo, ouais. Et envoyé bien trop tôt vers les sables. Je suis même un peu choqué parce que j'ai l'impression qu'il a quand même une meilleure précision que certains gros joueurs, tu vois. Coman, tu l'as pas? C'était un monstre, un vampire. J'ai déjà vu ce genre de créature, mais celui-ci portait un bandeau sur l'œil. Il avançait comme une ombre, et se nourrissait de ses pauvres âmes. J'ai appelé la grâce d'Arquet, et le vampire a pris la fuite devant sa présence sacrée. C'est quoi son gardien? Vers la grande porte, il me fait des arrêts de ouf. Je prie pour... Ah putain, merde, c'est vrai, j'avais fait chauffer l'eau pour mon café. Oh putain, mais je suis con. Il a fait le feu à la baraque. Bah non, connard, le truc a une sécurité, dès que l'eau elle boue, ça se coupe. C'est une bouilloire, tu vois. Bah oui, connard...
Bah, ça va, on peut rigoler quoi. Ah ouais, attends, ah mais non, pas, attends. Prends la meuf faire du café quoi. Attends, mais c'est vrai, merde, du coup, attaché, je crois, il a pas clip. Mais genre, tu vois, hier, Thomas, j'étais sur Skyrim, sur mon PC. Et puis, j'ai recommencé une nouvelle partie avec, avec quelques mods et tout. Puis j'allais affronter, tu sais, pour le premier dragon. Ouais. Puis sur le chemin, y avait un torse de squelette, tu vois, un buste squelettique. Ouais. Et je fais assez d'aller voir sur le live et tu sais, je commençais à pousser le morceau de squelette tu sais, en marchant dessus et tout. Et je fais, hé Seb, regarde, je joue avec ta mère. Il était mort de rire. Putain, mais toi. Bah, ça peut être ta grand-mère aussi, hein. Ah oui, parce que, ouais. On sait pas, non, il y avait pas de corde donc. T'avais juste à lancer la corde quoi. C'est ça. Au lieu de tendre la perche, tu tends la corde et puis voilà. Ah bah elle l'a bien tendue. Hein. On peut varier quoi. La corde d'autres idées. Pas mal. Attends, mais j'ai vu le champ en face, il a traversé ou pas? Où ce con? Ça me fait rire les pokés quand t'es dans les grottes. Ils apparaissent, ils tournent autour, mais ils arrivent pas à t'attraper. Du coup, un coup, je suis resté une heure comme ça, ils tournaient toujours autour, je t'ai plié. De quoi? Qui tourne autour? Quand tu sais, quand tu utilises le truc pour aller dans les souterrains, dans Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Ah, je sais pas. Bah, en fait, quand tu vas dans les. Je l'ai pas fini, je l'ai acheté, je l'ai même pas fini encore. Où t'as, bah, en gros, où quand tu utilises le truc pour aller dans les grottes, tu peux choper des fois des Pokémon que t'as pas forcément ouais. À l'aventure ou des starters. Et des fois, ils arrivent, quand ils te voient, ils te tournent autour comme ça, mais ils arrivent pas à t'attraper. Et un coup, je t'ai resté presque une heure comme ça, à le. Les Pokémon, ils me tournent autour, je t'ai plié, je fais bon, c'est quand il va s'arrêter lui. Ah, c'est comme moi l'autre coup sur GTA, là, pendant Noël et tout, que t'avais le gouche, j'étais en MK2. Au moment où tu sais je me pose un peu mais sans descendre de la MK2 en tu sais vraiment tu sais je suis collé au sol quoi, il y a le gouche qui spawn, j'ai entendu spawn, je tourne en rond avec lui et j'avais beau lui foncer dessus, il a pas les dégâts de collision enfin de quand tu le rentres dedans. Par contre je t'avoue une chose, j'ai le seum de pas avoir vu la tenue du gouche. Ah putain c'est vrai, toi tu l'as pas vu, merde. Bah ouais, ça me casse les couilles. Après je suis abonné à des pages sur Facebook, genre c'est des glitchs et tout de GTA, j'essaierai de voir avec des types s'ils ont pas la tenue et tout. Pour roi. Il va me faire exécuter pour avoir laissé l'assassin sans fuite. Les gens qui demandent une nouvelle voiture sur PS5, ils disent ouais, est-ce que vous pouvez me vendre une nouvelle voiture dans le garage? Mais t'es con ou pas? Les voitures sont pas sorties, on peut pas le vendre par le garage. Faut. Ça m'énerve les gens comme ça. Tu sais, ils flexent avec leur Buffalo flic et tout là, mais je rigole juste que. Buffalo grill, moi, mais. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais quelqu'un a égorgé Sonolia avant de franchir la porte. Je n'ai pas eu le temps de l'arrêter. Que savez-vous de cette affaire? Et en quoi vous regardez? En plus, il demande là pour mettre quoi des pneus de Formule 1? Non, mais. Morte. Déjà, la voiture elle est pas sortie. Et au roi. Je pourrais avoir. En plus, je vais mettre des pneus de Formule 1 parce que ça s'en fout. Putain, mais. Vous pensez que. Ouais, en fait, c'est pas des modeurs, c'est des garagistes, les types. C'est la faute de Swargrim. Il aurait dû nous depuis le début. C'est dégueulasse. Moi, ce que j'ai fait, c'était sur Xbox, la Kuruma. J'ai une Kuruma avec les pneus Beniz et une autre. Ah oui, ouais. Une autre avec un motif GTA 4 roue Formule 1 et tout. Parlez-moi de l'assassin, quelqu'un l'a vu? D'ailleurs, le motif GTA 4 est gris. Foncé, je crois. Il est plutôt stylé. Nous savions que les sorcières de Krennev avaient des vampires dans leur corps. Un Stélix apparaît, oh là là, une statue de Stélix apparaît. Très bien. Autre chose à signaler? C'est tellement ce que je voulais. Ah, le fils de pute. Ah, ouais, ça a l'air d'être sympa le Monopoly Go. Bon, champion. Eh bien, dans ce cas, combattons le feu par le feu. Ils ont des vampires maléfiques et nous en avons un amical. Allons découvrir exactement ce que votre ami Fenorian sait sur les clans de vampires de la région. Où est-ce qu'il Carcasse FC. Ah oui, du coup, Thomas, j'ai regardé le clip de JDG qui utilise l'IA pour discuter, tu sais, dans Skyrim. Au début, du coup, il dit son Skyrim, il fait 400 gigas, il y a plus de 1000 mods d'installer. C'est celui que je t'ai montré, c'est le mode Nexus ou pas qu'il utilise? Je sais pas. Peut-être, je sais pas, tu vois. Quand même, un Skyrim de 400 gigas. Bah, c'est plus un Skyrim, c'est un.
C'est un Call of Duty moderne Skyrim là, c'est. Putain, ouais. C'est un moderne Warzone 1 et 2 et Verdansk réunis quoi. Plus Cold War, hein. C'est Cold War, oh là là. Cold War, il... je crois que Cold War, si tu mets le multijoueur et campagne, je crois qu'il fait 250 gigas. Ah bon? Je crois. Cold War, ouais, campagne multijoueur, enfin tu mets tout, je crois que t'en as pour 200 gigas, hein. Voire plus. Hein. 185. T'as tout installé? Ouais. Bah t'as pas fait une mise à jour alors. Alors ils ont réussi à réduire, mais. Moi je sais que déjà que, qu'avec le zombie. Après à la base, on est sur PS5, il prend tellement de place. Non, justement. Les jeux PS5 qui prennent plus de place. Ah, c'est chaud. Ah. Bon, puis non, juste, là, je pense à emmener lui une tasse pour le boulot. Je me ferai du café. Quand? Mardi. Je bosse pas lundi. Ah oui, tu bosses pas lundi, ouais. Mon rendez-vous. Personne là. Qu'est-ce que tu Hein? Vas-y, qui c'est bon. Son cul! Ok, pour voir la porte. Bienvenue au milieu de rien, mon ami. Vous devez être frigorifié. Réchauffez-vous près du feu et racontez-moi votre audience avec le haut roi. C'est un acte très audacieux, même pour elle. La vieille Myolène et moi avons comparé nos notes et nous avons progressé dans le rituel de la tempête faucheuse. Viens, tu vas pas dire viens okay, mourir. Notre grande amie avec la hache. J'arrive. Eh ben vas-y. Nous savions que les vampires aidaient les sorcières. La vieille Hélène et moi sommes certains que les fauches bêtes féroces sont des. Ouais non mais vu que j'ai laissé l'eau bouillir. C'est d'habitude quand je fais un café, je laisse pas l'eau bouillir, tu sais, je la laisse bien chauffer, mais. C'est quand elle boule, la bouillère elle se coupe, tu vois, automatiquement. Ah, oh, t'es de retour, toi. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Qui, Makawashi? Bah oui. Non, un chat. En fait, de base, les chats qui viennent, ils étaient trois. Ils étaient toujours trois ensemble. Puis d'un coup, il y en a que deux qui venaient. L'autre, puis là, il est là. Donc je suis allé le voir. T'en es trois. Putain mais arrête de me proposer très aigu en attaque, putain le jeu il a pas capté hein. Là, j'ai mis une frappe en plus avec Kane dans la surface. Le gardien, il l'arrête, je sais pas comment il a fait. Prince, elle a reprise, elle met. Mais le boulet, comme j'ai envoyé, quoi, putain. Il l'arrête quand même. 11-3. Des jolies ouais.
Qu'est-ce qu'il chante lui? Pourquoi t'es loin de ton micro? De quoi? Qu'est-ce que tu dis là? T'es loin de ton micro? Ah non. Là oui, t'es mieux, mais t'étais loin. Oui. Je sais plus ce que je voulais voir sur mon PC. Encore du course en deux matchs après. Dans le même jeu. Hein. Non, parce que je suis en train de regarder un stream de The Crew 2, c'est pour ça. Ah, Cyberpunk, j'avais dit Monster, il est en promo. C'est le même symbole qui décore les urnes importées de Bankorai. S'il appartient à une lignée de vampires, je ne la connais pas. Je vous suggère de demander un relais. La sagesse de la région dit que seuls les courageux ou les inconscients écoutent l'avis des vampires et des vieilles femmes. Je me demande ce que vous êtes. Eh bien, parlez. Que puis-je pour vous ? C'est addictif en vrai le truc. This is the reason for the night. Oh night. Oh yeah. Oh yeah. Sur GTA ou quoi? Non. Non, j'ai une chanson dans la tête. Il porte une sorte d'enchantement. Bah, même si c'est mal, non? Ce symbole n'a aucun sens que je reconnais. On t'a fait pour la rentrée. Je peux vous aider à trouver le propriétaire de ce médaillon. Dans le nez, connard. J'ai besoin d'objets spécifiques pour lancer cette divination. C'est pas de la poutre, hein? Bah non, mais le nez, il rejoint le cerveau. Bah tout rejoint le cerveau. Bah la bouche, pas trop, non? Parce que la bouche rejoint le nez qui rejoint le cerveau. Mais si, il t'ouvre la bouche, c'est qui te fait ouvrir la bouche? C'est le cerveau. Mais non, mais je parle pas comme ça. Ah, ok. Évidemment que tout est relié au cerveau. Ah bah oui. Apportez-moi les os. Avec le bulbe de Rachid. C'est le bulbe rachidien. J'ai besoin que la plante soit ah ok, waouh, c'était pas ouf. Avec ses réactifs, ça fait mieux quand même. Pourquoi ils ont pas mis le bulbe, je sais pas, Jean-Lucien ou pharmacien ou. Tu vois? Le bulbe Sébastien aussi, tu vois. Le grelot de la le mort parisien, pharmacien. Vous ne devriez avoir aucun mal à marseillain con le bulbe julien quoi de Mortan, mais faites attention, beaucoup semblent atteints par une étrange malédiction. Je serai très la casse prison, let's go. Chasse un double. Tu vas peut-être y voir Dorian, hein, si tu es en prison, fais gaffe, hein. Non, ça c'est l'asile, ça c'est pas pareil. Les loups sont couverts d'un givre léger qui sape la chaleur et la vie de leur plateau terminé. J'ai terminé New York. Putain, Sony, il parle déjà de mettre de l'intelligence artificielle dans la PS6. Ouais. On va y avoir droit, il va y avoir partout ça, ça nous envahira. Bah. C'est le principe, hein. Bienvenue Londres. Ouais, maintenant je suis à Londres. Et le plateau il est plus gros. Trouver des os de loup, cueillir des grelots de la mort. Vous regardez récolter, c'est intéressant, mais j'ai hâte de voir ce que vous allez en faire. Oui, c'est vrai que j'ai débloqué de nouveaux motifs, mais à quoi ils ressemblent? Oh! Mais les styles de ouf! Ah ouais!
J'ai bien fait de piquer ça, ma guilde. Ah ouais, ah non, franchement, elle est trop belle, mec, viens voir. Oh, je suis pas déçu. Donc ils avaient des trucs en rabat. Compétent, champion. 12 comme mon père, hein. Il prend le permis, hein. On n'a eu qu'une semaine de vacances, hein, c'est casse-t-il. Ouais, bon, en août, on en avait 3. Hein? En août, on en avait 3 des semaines, ça va. Par contre, tu verras que. Bah, tu disais, tu verras en août. Non, je sais pas si t'étais déjà à l'époque. Je sais pas si t'es en août. Bah, si. T'étais rentré quand, toi? J'étais rentré fin juin. Du coup, j'ai eu les vacances en août. Parce que quand t'as 3 semaines en août et qu'il faut reprendre le taf, comment c'est chiant, c'est dur. Bon, déjà, une semaine, c'est chiant, hein, après une semaine. Hein. 3 semaines chiant parce que tu sais t'as perdu le mood, t'es plus dans le rythme, faut t'en mettre dedans, c'est chiant. Et tu dis que les prochaines vacances c'est bah en hiver. Bah après ça va, ça passe vite, hein. Août, septembre, octobre, après novembre, décembre, après t'as juillet, février, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ah ouais, ça fait loin en fait. Après tu prends des jours de congé, hein. T'as droit qu'à une semaine je crois, non? Bah non. Oh, des loups squelettes maudits par le givre. C'est stylé. Ah, par contre, ils me ralentissent, c'est chiant. Ah, mais c'est vrai qu'il y a un timer quand je fais des trucs pour je Braise. Je peux vous aider? Bien sûr, oui. Ça va bien. Vous me supportez. Hey. Putain, mais c'est long de monter la relation avec un compagnon. Il y en a qui jouent avec Obi-Wan Bisaka là. C'est ça non, Obi-Wan Bisaka. Non, c'est pas Obi-Wan, hein. C'est quoi alors? Wan Bisaka. Ah. Obi-Wan. Mais vraie anecdote, l'acteur qui joue Obi-Wan, il a un frère qui est dans l'armée de l'air, et du coup son nom de code à l'armée de l'air, c'est Obi-Two. C'est pas lui qui a fait la chanson de Jul. Chubito. C'est vraiment con, quand même. T'as pas la ref? Bah heureusement que j'ai pas la ref, j'écoute pas de Joule donc heureusement que j'ai pas la ref, hein. Bah y'a une chanson qui s'appelle Bah c'est bien, bah du coup, j'irai pas l'écouter quand même. Je t'ai pas demandé d'écouter, t'es bête ou quoi? Eh oui, il est con là, il fait le mec là, mais il est con lui, putain. Ah de ouf. Gueux. Ouais. Ah, c'est ça traîner avec Dorian, hein. Bah techniquement c'est pas moi qui ai traîné avec lui, hein. C'était pas par choix, hein. Et encore même au boulot je l'envoyais péter, hein. Un coffre élégant se met à briller. Moi j'ai un casier, hein. Non mais j'ai pas de casier, hein. Mon casier, il y a rien. J'ai pas de casier, hein. Normal, il est pénalement irresponsable vu qu'il est taré. J'ai un casier, hein. Je mettais mes affaires d'ailleurs. Non mais évidemment qu'il a pas de casier, il est pénalement irresponsable et il est complètement taré. Bah il mettait où ses affaires s'il a pas de casier? T'as posé de la tasse et à dire, putain, on peut rien pour lui. Exclure de la partie, virer de la pipi box, virer de l'afterlife, bloqué. Virer de ta vie. Virer de chez virer. Plus nous tarderons, plus la piste refroidira. Voyons si nous trouvons votre... Ça m'avait pas manqué les avertissements de PlayStation.
Attends, combien? Non, non, mais oh putain. Bonjour. Non, 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 là, s'il en a un, je pense qu'il a un petit ban. Hein. 3 jours. Mais ouais. Tu vois, c'est ça qui m'énerve avec PlayStation. Non, 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 non. Il prend pas en compte réellement ce qui s'est passé. Il voit ce qui s'est passé. Le mec, tu t'envoies petit con à quelqu'un. Tu m'envoies petit con. Je te reporte. Ils vont voir que t'as eu d'autres reports. Et ils vont voir que je te signale parce que t'as envoyé petit con. Ils vont pas chercher à comprendre. Hein. Ils vont dire c'est bon. Alors, je sais pas si c'est comme ça sur. C'est réfléchi, c'est tout. Bah non, mais c'est le règlement. Au tribunal, tu peux te défendre, mais le règlement, c'est le règlement. C'est pour le. Pour un bannissement, il faut avoir 10 signalements. Oh bah Thomas, il doit être pas loin des 10. 10, c'est banni 24 heures. Au bout 24 heures, c'est gentil. C'est 48 heures. Au-delà de 5 ans, on peut spammer les signalements. Je vais tester. Au-delà de 5 ans, c'est. Non, 5 ans, je crois que c'est une semaine. Au-delà de 5 ans, c'est. Non, je pense que t'as des avertissements, mais si t'as été signalé, c'est ce que t'as dit Thomas, Seb. C'est au bout de 20 signalements, donc tu peux pas savoir combien de fois t'as été signalé. Non, ça, bah non, tu peux pas, non. Donc si t'as eu 2 avertissements, Thomas, je pense que t'es pas loin des 10. Oui, t'as eu 2 avertissements, mais ça veut dire que si t'en as eu 2, c'est que t'es pas loin des 10 signalements. Bah les 10, c'est les 24 heures. Parce qu'ils vont pas envoyer un avertissement à chaque signalement, hein. Non, non, bah oui, oui. Heureusement. Oui, bah donc c'est bien ce que je dis, donc t'es peut-être pas loin des 10. Peut-être, ouais, je sais pas. Bah, moi, c'est attends, je vais tester, alors signaler Thomas. Merde, loue à tout. Je crois pour la blague, j'avais fait ça pour le compte à Liam. Je trouve PlayStation débile, tout simplement, je changerai pas d'avis. Ouais, parce que sur ça, ils cherchent pas le contexte en fait. Bah, que le mec, c'est de signaler, ils ont pas. Bah, ils vont pas. Oui, non, mais oui, ils vont pas. Oui, mais tu sais, ils vont pas se prendre la tête, c'est pas un tribunal. Je me casse le cul à pas mettre de gros mots dans les messages avec le thème de pizza, et puis je me fais signer quand même, quoi. Non, non, j'y mets aucun message. À un moment, je voulais mettre putain, je lui dis ouais, je vais mettre punaise, et c'est passé. Mais le mec, s'il te signale parce qu'il a été contre toi, bah t'es baisé quoi. C'est comme quand tu signales des mecs qui te mettent des branlées à FIFA, tu vois. Mère Lou vous guidera sur ça. Je l'ai insulté de débile, mais c'est pas. C'est pas une insulte, c'est la vérité, il est débile. Non, débile, c'est un état d'esprit, c'est pas pareil. Ah, voilà, donc c'est un mode de vie quoi. Pour un état d'esprit. C'est comme si tu dis à quelqu'un, espèce de syndrome de la Tourette. Oh putain, il t'a insulté vite, toi. C'est une maladie, ça peut pas être une insulte. Oui mais alors oui mais dans ce cas il pourrait faire en débile, sorte c'est une émotion. Putain, c'est un art de vivre. Il m'énerve à me couper. Mais dans ce cas oui. Dans ce cas vu que tu dirais espèce de syndrome de Gilles de la Tourette, il pourrait prendre ça comme si c'était tu te moquais de la maladie de ceux qui ont la maladie. Ça j'aurais dû lui dire espèce de Dorian, il aurait pas compris, moi j'aurais compris tu vois. Ouais mais là non c'est beaucoup trop loin, ils vont beaucoup trop loin. Je changerai pas d'avis, tu me feras pas convaincre. Je suis désolé. Bah je m'en fous. Mais après je te comprends hein, mais après le règlement c'est le règlement. Faut pas aller chercher plus loin. Hein. Et regardez, c'est pas une question de chercher plus loin, c'est une question de logique. Ils sont même pas logiques, ils réfléchissent pas. C'est sûr que pour ramasser le pognon, ça, ils réfléchissent. Hein, mais pour ce qui doit être juste, ça, ils réfléchissent pas. C'est, hein. C'est pareil avec la loi. Tu voles une pomme, bah c'est toi qui as en tort. Même si c'est parce que tu mourrais de faim, c'est toi qui as en tort. Oui, non, mais tu après, t'as les circonstances atténuantes quand même. Mais ça reste un vol, c'est un délit quoi. Même voilà. Si tu meurs de faim, tu vois. Hein? Putain, vas-y, c'est bon, tu me saoules, allez, pas couper. Mais non, mais je parle et tu parles en même temps. Non, non, là c'est Thomas qui parlait et t'as parlé dessus. Quelle intéressante utilisation de magie primitive. C'était clairement votre assassin vampire. Il portait même un bandeau sur la vue. Il semblait se trouver dans un. Et bah, moi je parle, babala blablabla. Non, mais là t'apprends pas, elle allait vers l'ouest. Le camp doit se trouver dans non, un. Non, je disais. Je sais même plus ce que je voulais dire, je sais même plus. Merci Seb, on parlait de vol. Oui. Et tu disais, tu me prends pour un con. Oui, tu me prends pour un débile ou quoi, je sais très bien. Mais c'est juste que. Il y a des contextes autres que tu fais. Quand tu fais des choses, tu les fais pas pour rien. Enfin, je veux dire, il devrait réfléchir dans le sens où il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, oui. Tu vas pas claquer des doigts, le feu il va apparaître. C'est ce que je te dis, c'est pareil. Du coup. Entre un règlement sur une plateforme. Ils auraient pu prendre en compte justement que le mec est venu provoquer et ils auraient mis un avertissement à lui. À ce moment-là, j'aurais. Bah, aux deux alors. Ou aux deux, voilà, à la limite aux deux, là j'aurais compris. Je me serais dit, voilà, l'avertissement il est logique, pour les deux, ok.
Mais après, je sais pas si lui l'a pris, j'en sais rien du tout. Non, hein. Je pense pas. À moins que tu les reportes, mais... Bah, de toute façon, je l'ai signalé dans tout cas, donc... Ah, peut-être, bon. Alors. Je suis venu chercher l'aventure, pas une promenade de santé. Donc bon, après, voilà, hein, mais j'espère qu'il s'est pris un report. Je demanderai à Lucas, d'un sens, il a pris un report. Bah en fait ce qui se passe c'est que quand tu vois les messages que j'ai envoyés, lui aussi il a eu le tu sais le blocage de PlayStation je sais plus quoi, donc il se l'est pris aussi quoi. De quoi? Quand tu vois les messages que j'ai envoyés, c'est marqué PlayStation je sais plus quoi, donc il se l'a pris aussi lui. Ok. Tu penses qu'il a dû se le prendre parce que... Ouais parce que ses messages ne s'affichent pas non plus. Oui parce que... Bah, c'est parce que tu l'as bloqué. Non, j'ai pas bloqué. Bah si, t'avais dit que tu avais bloqué. J'ai bloqué l'autre tête de bite là, qui s'était noyé dans le Titanic là. Mais oui, et bah... Ah oui, Mathilde, là, celui qui faisait que de répéter ce qu'on disait, là, comme un gamin de 6 ans. Celui qui faisait répéter ce qu'on disait, là, comme un gamin de 6 ans. Ça y est, toi, il m'a pété un câble. Je vais t'insulter, je te jure. Hein. Ça va, c'est une boutade. Putain, mais ma soeur, à cet âge-là, elle le fait pas. Bah de toute façon elle a pas intérêt parce qu'elle s'est défoncé la gueule, du coup c'est pour ça qu'elle a... Non mais je te jure, je te connais, t'aurais carpé aussi à l'autre et cassé les couilles. Oui, hein. Oui, non bah oui. Bah moi de toute façon j'aurais pas... Moi de toute façon je l'aurais exclu direct, il m'aurait dit non mais c'est bon je peux revenir machin, j'aurais dit non. Ah mais il harcèle le mec après. Hein. Bah je le bloque, je m'en bats les couilles. Je le bloque et je resterai pour harcèlement, m'en bats les couilles. Je vais pas. Dans le chat. Et alors, tu t'en bats les couilles. Tu le vires du chat. S'il en reprend un, tu le bloques, comme ça tu vois pas les messages. Il a beau insister, ce sera non. Si c'est toi le chef de la partie, t'en bats les couilles. Ce genre de fils de chien. Moi ça aurait été non. Ça aurait été non direct. Hein. Après, au départ, on a pas eu deuxième chance. C'est moi, tu vois, qui voulait qu'il vienne pour qu'on mette les choses au clair. Je lui ai dit, maintenant, le problème, il est où? Je suis en train de mettre les choses au clair. Dit, vous venez pour faire quoi? J'ai dit, si vous venez pour casser les couilles, vous restez pas, quoi. Bah ouais, non, mais... Puis l'autre abruti, les règles... Moi, de toute façon, maintenant, je cherche plus à comprendre. C'est comme sur Twitch, hein. Les mecs qui viennent dans le chat, ils commencent à casser les couilles, c'est bon. Bah oui, tu fais bien, tu fais c'est bien. C'est bon. Moi, je me prends plus la tête, ils sont pas contents, c'est mon problème. C'est pas parce que j'ai pas des centaines de viewers qui parlent qu'ils se permettent tout ce qu'ils veulent, tu vois. Parce que David, là, tes lives ils ont augmenté depuis quelques mois ou pas? Enfin, en nombre de personnes? Ouais, des fois ça va. Quand je suis sur tes os, des fois ça va, des fois il y a 5-6. Quand j'avais les drops, j'en avais 10, on est rats. Je pourrais marquer drop dans le titre de live, il verrait qu'il y aurait pas de drop, il s'en rendrait même pas compte. Oh, mon record Twitch a été 22, j'ai jamais dépassé. Moi ça a été 66, moi. C'était une 60 ou 70, je sais plus. Moi ça a été 0. Parce que je sais qu'à une époque, je refaisais un peu de Destiny, puis il y avait un site que des mecs avaient créé, c'était pour. C'était un site où ils t'envoient aléatoirement tous les quarts d'heure sur un live de quelqu'un qui a pas beaucoup de viewers. Et du coup, au bout d'un moment, j'avais une soixantaine de viewers, ça avait envoyé sur ma chaîne. C'est pas mal, ça. Je trouve que c'est bien quand ils mettent des petits trucs en place comme ça. Ouais. Ouais. Mais je crois que ça a été dégagé ou le site. C'est pas level down? Je sais plus. Mais je sais qu'il y en avait un. Le site a été supprimé. Ils en avaient refait un autre. Et depuis, je sais pas. Il a été resupprimé. Mais il y a moyen. Il y a moyen. Non, parce que je pense que le Twitch est pas d'accord. C'est quand même un autre cool. J'envoie un mail à Twitch pour dire qu'est-ce qu'il faut mettre en gros concrètement dans le truc pour l'affiliation et tout. Et la personne qui m'a répondu dit bah, c'est bien que vous êtes. On est content que vous avez resté à table ce cap et tout, que vous avez continué sur la plateforme machin. Par contre, on peut pas vous aider là-dessus. Enfin, bah, super. On peut pas vous aider là-dessus, mais on est quand même on est quand même les développeurs, mais on peut pas vous aider. Ah ok, bon bah... C'est cool. Ai-je tort de trouver ces visions si intéressantes? Celle-ci montrait à nouveau votre assassin avec son bandeau près d'une grotte à côté d'une chute d'eau. Et la boule de magie dérivait à nouveau vers l'ouest. Je suggère d'y aller le plus possible. Pourquoi je vais arrêter la Switch
Mais après, j'irai sur Skyrim. Nous ne pouvons rien pour elle. L'assassin vampire a bu tout son sang. Hein? Qui a parlé? Personne. J'ai retiré le casque, ok, j'ai cru. Là, c'était peut-être dangereux, parce que j'ai retiré le casque, j'avais cru entendre quelque chose. Ah, d'accord. J'ai entendu parler, mais c'était mon... en même temps. Non, c'était le PNJ qui me parlait. Hein. Je vais ouvrir la boîte à caca, là. Prendre caca, je vais y aller, je pense. La boîte à Benko. La règle d'or des enfants des rues. On n'ignore jamais un sac abandonné. Ah, merci, Braise. T'as les pratiques, Braise, en vrai. Hein. Parce que vu qu'elle aime bien voler des trucs, quand elle voit qu'il y a des sacs et tout que je peux prendre, elle s'arrête, elle le dit. Du coup, quand j'en rate, bah, c'est pratique. C'est quand même, je me tâte à prendre les DLC d'Écarlate et Violet, là, ils sont pas trop mal, hein, franchement. Ouais, moi aussi, au final. Les profondeurs de Il y a même une grosse chasse aux légendaires sur toute la map et tout, c'est un truc de fou. Ah ouais? Ouais, j'ai un pote, il est en train de les faire, là. Et je lui pose la question, je lui dis en vrai, il est hypant, ils sont hypants les DLC ou pas? Et il me dit, bah écoute, ils sont pas trop mal et tout, machin, je fais ok. Ouais. Les choses qui vivent là. Il me dit après voilà c'est... Ah, c'est comme au final j'ai envie de me prendre le DLC d'Animal Crossing. Ça me ferait peut-être rejouer un peu plus au jeu, tu vois. Parce que bon, tu vois, c'est quand même... C'est pas non plus n'importe quel jeu, c'est quand même... C'est du Pokémon, ouais. Ouais, bah je comprends, moi c'est pareil un peu. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Ouais. Ah bah ouais. Tu m'étonnes. Ah oui, bah tu m'avais montré, ouais. Y'a pas de nouveau tout plein, là. Putain. Ouais. De la troisième, tu arrêtes, je l'ai fait ok, très bien. Je vais peut-être tenter d'avoir les quatre formes, après je ferai plus tard. Les profondeurs de Bisgivre sont envahies d'insectes géants. Je dois entrer pour récupérer les ingrédients nécessaires pour guérir ma sœur. Mais les choses qui vivent là ne me laissent pas entrer. Putain, je la veux vraiment, Smith, putain. Mais Wesson. Mais hier c'est pareil, hein. Seb et Lucas c'est des gros bâtards, genre ils ont des packs et ils ont packé Kostic, Joker River, l'italien de la Juve, le MG. Okay. Les gros bâtards, ils ont packé des bons trucs en plus. Pas tous la même bloc. Désolé. Désolé de payer 300 balles. Non, moi je sais. L'un des insectes. D'ailleurs, au fait, je sais pas si on te l'avait dit, mais il y a un mec, il s'est vanté dans des groupes Facebook d'avoir des bots pour se générer de l'argent dans le jeu. 41 millions, il y a préparé un élixir pour soigner ma sœur. Ouais, bon, c'est pas si d'un ban, hein. Et tu sais ce qu'il fait le mec? En plus, il se la pète, hein, il a des bots. Et le mec, il vient devant en disant oui, quoi comme équipe, j'ai un budget de 41 millions. Mais on attend les petits avec impatience. Pauvre connard. Ah, il y a Jedi Academy sur la. Oh. Baisse sa mère, ouais. Oh, mais oui, les vieux Star Wars sur le PC, ça bien. Du coup, j'ai enfin fini les défis avec Morata, là, je suis content. Et la ruée vers l'euro, là, c'est terminé, enfin. Je crois que je finirai jamais ça. Pedro Goncalves. Oh, Jedi Star Wars Jedi Academy là. Je sais pas quel jeu prendre avec les 10 euros que nous avons. Moi, je vais attendre des prochaines promos. Hein, parce qu'elles changent demain ou dimanche. Pas ce soir?
Bah, c'est le 6 à dans minuit, cette je crois, caverne donc. sans me faire attaquer. Parce que, Donc, ouais, sûrement je ce regardais soir. hier et il heures, restait 20 heures et quelques, je pas crois, un un truc comme guerrier. ça. Je me suis dit, ok, bah. Nous devons trouver un champignon de bisgivre, du lichen des profondeurs, et un œuf de charrue. Edrine est douce comme du miel, mais dure comme l'acier. Tout le monde l'aime. Elle est plus jeune que moi et je la forme à la guérison. Et si je ne peux pas fabriquer l'élixir à temps. Non, je ne dois pas penser à ça. Nous allons la sauver. Par contre, Lewandowski, franchement, je le trouve très fort. Hein. Honnêtement. Un peu lent, mais. Enfin, voilà quoi. Ouais, après, voilà, je veux dire. On sait tous qu'il n'est pas réputé pour être rapide, quoi. C'est comme si ils auraient mis un Mbappé avec 90 en physique, tu vois, ça n'aurait pas de sens. Ouais. Kane, il y a quand même 80 en physique, hein. Après, ouais, il est pas aussi rapide. Parce que on parle pas du même profil, là. Oui. C'est comme si tu me parlais de Twingo et de Ferrari, c'est pas la même chose, tu vois. On ne trouve les champignons de bisgivre que dans cette grotte. Les insectes en mangent, ainsi que le lichen des profondeurs qui pousse sur les murs. Je trouverais ça un peu gonflé qu'ils mettent un 80 en un 90 en physique à Mbappé alors quoi. Il crée un puissant antidote. C'est juste un joueur rapide quoi. Ouais, il a du physique parce qu'il faut tenir et tout au niveau de l'endurance, je suis d'accord. Mais pas au point d'être d'avoir la même résistance que Rudiger, tu vois. Ce système souterrain est composé de plusieurs cavernes en succession. De nombreux animaux y vivent. Certains ressemblent exactement à ce qu'on s'attend ça à trouver sous même, terre, mais d'autres, le comme les insectes géants, et sont plus exotiques. C'est dangereux, mais il nous faut ces ingrédients. Pas d'irréconscient. Ok. Petit champignon à pied. Et hop, méga pack. Pack méga rare. Allez, hop, let's go. Let's go. Quoi, le jeu? Il était temps, hein. Non, les uns. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai? Canada. MC, tain, tu peux pas me donner des vis là, bordel de merde. Bah non, sinon c'est pas drôle en fait. Mec, il veut Mbappé, Messi, Ronaldinho. J'ai dit à la fonction des vis, j'ai pas dit Mbappé. Mais je sais. Bon, j'ai eu Schmitt, je vois Mario et j'ai eu aucun. Ah, t'as les Schmitt? T'as pourra ton concombre. Putain, je sais plus, il avait fait une blague avec Alisté hier, Thomas. Je sais pas si il est Alisté, le vieux. Ah oui, voilà, il est Alisté. C'est ça? Ouais. C'est pas compliqué comme blague, tu vois, mais moi je l'ai trouvé du coup. Je garde. Ouais. Je garde. Ouais, Odegaard. Double anime? Ou je voulais me faire enculer? Tu peux bien être fait enculer, je pense. Ouais. J'ai très bien, quoi, mais vraiment. Putain, quoi. J'ai eu Pickford. Il me veut quoi, lui? Casse-toi, toi. Ah, des Falmer, bah oui, du coup. Ah, putain. Ils vont pas me manquer eux, quand je leur joue à Skyrim. Une putain de Falmer, là. Bien de la merde des Falmer. N'est-ce pas Thomas? Ah, Thomas il n'est pas là. Attends, mon père il va voir la planche que j'ai ramené à faire ce coup ça. Non mais je vais pas lui parler. Du lichen des profondeurs, les insectes géants s'en fout. Non, c'est fini. Là. Allez, viens. Un peu de musique de Noël ici. Ah, vas-y, bon, bah écoute. La. Alors, virer de. Quelle chance. Virer de tout. Virer de chez virer.
Ça c'est pour moi et Thomas. Oui. Elle est connectée enceinte. Elle est enceinte, elle accouche bientôt. Ouais, c'est une casque, putain. Con. Donc il y aura les 3 matchs ce soir, ça me fait 500 XP et plus ça va faire 750 XP. Bah j'en passe un truc au soir. C'est quoi le but là? C'est le bon rhum de Binks en version Luffy. Ah, ça fait penser à la musique qui jouait Tianic avant que il coule. Ah, c'est la musique de One Piece, ça. C'est... Ouais, bah ouais. C'est la musique, pourri, vraiment. J'ai pas dit que c'était pourri, attention. Mais heureusement, parce que sinon je te nique ta mère. Ah, nécrophile, ouais. Non, nécromancien, nuance. Ah, oui, c'est vrai. C'est bah, après, t'es pas ancien, mais t'es une nécro. Quoi. Ouais, je refasse un nécromancien sur tes os aussi. Je sais pas. Ah, c'est au-dessus. Non, c'est en dessous. Putain, mais mon tel bug, il casse les couilles. En quoi? Mon tel il bug. Ah, attends, j'ai trouvé les DLC de. La mère, le mec a écrit le nom du boss, il s'est endormi sur le clavier. Hein. Il y a son chat qui est passé, vraiment, c'est K-R-K-K-T-K-K. Il fait quoi? Il fait du morse ou il communique avec qui? Je te jure, hein. Merde. Non mais ça communique. Oh, il tire le téléphone maison, sort de là. Bah, Juju. Oui. Toi, t'as violé, hein? Oui. Parce que là, je viens de les trouver sur Instant, ils sont à 26,99 au lieu de 35. Du coup, t'as oh, du moins 23. Va. Il y a le DLC d'Animal Crossing aussi. Ah, attends, bah attends, c'est quoi, je vais regarder. Ouais, regarde, s'il te plaît. Le nom, c'est quoi exactement? Bah, je vais mettre. Animal Crossing. Je sais plus. Crossing. Ouais, je me le prendrais peut-être. Très bien. C'est Happy Home Paradise, non c'est ouais, ça? Ouais, ça doit être ça, ouais. Il est à 18,99€. Oh! C'est tentant. Au lieu de 25, hein, moins 24, et il est encore en stock. Hein. Ah, c'est tentant. Voilà. Après, j'ai envie de me prendre Ready or Not aussi. Les Pokémon, là, ça m'intéressait quand même. Oui, oui. Mais c'est comme j'avais pris Mario Odyssey, j'ai toujours pas fini. Pourtant il est bien. Hein. Ah, apparemment oui, c'est un bon jeu. Odyssey, ouais, franchement. Putain, mais il est où le cristal? Comment je vais là-bas? C'est où c'est? Au-dessus. Bah non, pas par là. Comment je passe par en haut? Oh, c'est chiant, dis donc, toi, ici. T'as un défi avec un joueur de Serie A, c'est marquer 5 buts et tout. Du coup, j'ai mis 3 joueurs de Serie A dans l'équipe. Et puis j'ai marqué un quintuple dans un match avec Lukaku, Fulgurus. Ça va plus vite. Ouais. Par contre, le Bernardo Silva Fulvio, je le veux, mais le problème, il coûte putain de cher. Ouais. Je regardais, tu sais que hier, je me battais avec un type pour l'avoir, il y en avait un, il l'avait mis à 11 000 en prix de départ. Il avait des enchères qui montaient et tout. Ah bah ouais. Et il l'avait mis en achat immédiat 125 000, je crois. Il y en a un, il l'a acheté 122 000. Putain. J'ai fait ok, bah j'ai pas cet argent-là, connard de merde. Ah ça, je suis pas trop loin en vrai. C'est pour ça, je pense, si je me le prends en vrai, je le ah, mets. Ah, trop bien, j'ai trouvé une barde à ramener au... à la guilde des bardes de solitude, justement. Sympa.
clés de Lukaku. En même temps, j'affronte une équipe en champion, elle a 61 de général avec un collectif, s'il te plaît. Je m'occuperai de vous la prochaine fois. Une fois de plus, je prouve que je suis un érudit et pas un guerrier. Mais je pense qu'il ne s'attendait pas à un autre vampire. J'ai trouvé son camp. J'ai cru qu'il était désert, mais l'assassin devait être caché dans l'ombre. Il m'a pris par surprise. C'est surtout grâce à votre arrivée. Heureusement, il a laissé la plupart de ses affaires en partant. J'ai vu une... Alors, en bonne position, c'est quoi fait. T'en fais très juste... Privé-les de l'oreille de... Oh, c'est bon. Ah, ils sont sérieux. Ne dis pas, ils m'ont blessé, genre. Putain, les fils de pute, ils m'ont blessé. Bah oui, Calu lui blessé. Putain, bâtard de merde. Pas le choix. Je fais que passer. Est-ce que tu peux pas... en mettre... Page card. Hop. Il veut que je re-rentre dedans, hein, putain. On est Podolski. Vous avez rendu un si mal. Content de l'avoir, Podolski, en tout cas. Pas déçu. Le gardien s'est décroché la main avec sa frappe. Examiner la carte, bye, mais... Mais... Ah, mais elle est même pas ping, connard. Faites-moi voir ce que vous avez trouvé. Les lettres sont toutes deux adressées au vampire assassin. Je cherchais un bouffé, le Pentarque Corp. Voilà un titre inhabituel. Celle-ci donne l'ordre d'assassiner la reine. Qu'est-ce que j'ai comme gâteau? L'autre parle de mineur et d'un dernier. Mais là, moi, ce que j'attends comme version, là, c'est la 5G. Un remake de la 5G. T'as tous les connards qui disent ouais, on fait un remake de la 2G. Elle existe déjà, abruti. Réfléchis. Bah ouais. Ton meilleur. On dirait une la meilleure des de générations, c'est... La troisième. Pour moi, je pense que c'est la 5 et la 6G, quand même. La 6G était spéciale. Nous devons l'arrêter. Allez vers la mine, au sud. Je vais prévenir l'Iris... C'est bon, la 7ème génération, genre à Lola et tout, c'est pas qu'elle est pas bien, mais c'est que... L'univers, il est totalement différent. Malgré mes manies, l'un de nous doit retrouver l'assassin et l'autre prévenir l'Iris Titan. Je peux me charger de cette deuxième mission. Je n'ai aucune intention d'entrer dans solitude. Un messager ne devrait avoir aucun mal à identifier l'Iris au milieu de la... Voilà, 7-0 pour le match, c'est très bien. Combien avec Lukaku? 3 buts? Ouais. Ah la vache, je sais pas ce qu'on a les trois, mais on... Ah,
Ah, dans le jeu, ils mettent Coca-Cola sans sucre. T'as Ronaldo, il serait là, il aurait mis un coup de pied dans la rambarde, je te jure. Genre, dégage Coca, on veut pas. Apparemment, j'ai un objectif de réussite, enfin un skip. Quand même des sacrés menteurs parfois sur des trucs comme ça. Ouais, donc ok, allez, y'a rien. Mais ils veulent pas mettre les trucs réels, sérieux. Ça, ça c'est bon ça. Marqué dans 100 matchs. 5 dans clash d'équipe ou rival ou champion. J'en suis à 97 sur 100, donc j'ai fait le dernier truc. Et je débloque un pack 10 joueurs 80 plus. Ça, et après, en gros, c'est bon. Et en récompense, je disais, c'est un pack 3 éléments, joueurs rares 84+. Bon les gars, ce soir hein, les nouvel événement avec les cartes hors feu et glace, hein, sur FIFA. Ouais, c'est un peu du Inazuma quoi, c'est tempête de feu, tempête de c'est glace. C'est Kainu contre Kuzan, hein. Kuzan. Pardon, Kuzan. C'est vrai, Kuzan. C'est plus Aokiji, c'est Kuzan. Un repère maléfique, ça ne paye pas de mine. Je Cusan. Trouve que c'est bon signe. Hey, Kurdan. Et alors, comparé prix. Par contre, je pense qu'on a tous flippé quand il avait congelé Robin et tout. Hein. Ah, moi j'ai pas flippé, non. Mais ta gueule, toi, on te parle pas, toi, t'existes pas. Bah, pour aller jouer avec ma mère, là j'existe. Alors, hein. Il semblerait que c'est dans cette vieille mine que notre assassin s'est réfugié. Je pense que je suis d'accord avec toi, c'est vrai, sur le coup, quand il comptait, quand il la gèle, tu te dis putain merde, il va la défoncer et tout. Mais franchement, ça va. La femme astucieuse vous a aidé à retrouver l'antre de l'assassin. Mais dans tu vois, le truc, c'est qu'il a refait la même attaque qu'il a fait que quand il a aidé Robin à partir. À déclencher ouais. Dans cette mine. À Guardistoro, là. Distoro, ou je sais plus quoi. Il a fait exactement le. J'ai l'impression que c'est Ice Capsule qu'il a fait. Mais pour pas la tuer. Parce que en soi, quand on y pense, il n'avait pas de réelle intention de la tuer vu qu'il l'a sauvée. Sinon, il l'aurait déjà fait depuis longtemps, puis on n'en parlait plus, tu vois. Mais de toute façon, il pense qu'il est mort le type, alors je suis sûr qu'il est vivant, c'est. C'est même sûr, l'attaque qu'il lui a fait, il l'a pas refait, il l'a refait à personne d'autre, faut être logique. Ah. Parfait. Ah ouais, j'ai plein de joueurs, plein d'autres joueurs avant. J'en ai assez pour suivre ces rares. Pendant que tu regardes One Piece, en fait. Vous êtes prêt à en finir? Ouais, franchement, tu as kiffé, mec. Bah, trouve-moi. Là, j'ai donné un site l'autre coup. Hein. Pour regarder, hein. Tunnels ont intérêt à être très large. Je suis à 65 000 là, c'est bien. Attends, tu vas me dire, j'en ai 3 qui viennent de se vendre là. C'est quoi ce délire là? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce. Oh, pas mal, je valide. Là, ta blague elle est validée. La blague est valide. Voilà, validée. Validée par un grand maître. Bon, je m'achète le stream deck. Sans stream déconné. Moi je suis plutôt Steam Deck que Stream Deck, mais 300 balles et quelques, hein, le Steam Deck, j'ai regardé hier. Le Stream Deck. Juste pour changer des trucs, quoi, ça sert à rien. Ça. Non, le Steam Deck, c'est pas. Non, le Steam là. Ah, c'est pas, le Steam Deck, portable. C'est la. Ouais, le Steam. 300 balles et quelques, le prix d'une Switch, quoi. Bah, alors que c'est meilleur que des Switch. Coup d'envoi nouvel an. On va faire ça peut-être. Ça c'était Seb la dernière fois. Ça c'est vous quand vous jouez en rival. Ah oh, c'est plus je vais te crever que j'ai envie de crever quoi. Non ouais, parce qu'il a piqué une de cette crise. C'est trop drôle. Mais putain, putain. Qui Seb? Comme ça. Qui Seb? Ouais, oh, il disait putain. Mais putain j'ai taclé le ballon comme ça. On a tapé à fourrir. On n'en pouvait plus parce qu'il l'a dit d'une manière en mode c'était ça y est, j'ai terminé, Seb nous raconte son destin dans tellement vrai. C'était ça. Nombre de championnats minimum. Il manque juste la musique de reportage.
Ouais, donc faut que je mette championnat espagnol et ou italien, mais avec 4 joueurs du même pays et région, quoi. Ou c'est 4 joueurs pays. Il manque juste la musique là, quoi. Ah, la pub de merde. Tel besoin de toi. Dis-moi. Moi. Ah, t'es retourné sur The. Ouais. Moi, il manque juste la musique là. Oh la vache. C'est Sébastien faisait du rival quand tout d'un coup. Suivons-le. La stacke ballon. Semble pas tout à fait. C'était fini pour lui. Il était au bout de sa vie. Du calme. Il faudra plus qu'un escalier. Oh, alors là, qu'il découvrit l'insulte. Ce pouvoir qu'il permet d'avancer dans la vie. Je m'inquiète d'avancer. C'est alors qu'il reprit un nouveau départ. Tu vois pourquoi faut vraiment que je me souhaite un stream deck. Parce que moi, genre, au seul coup, je peux mettre des sons. C'est qu'il fallait voir sa mère. Elle parce qu'il manquait de soutien maternel. Et du manque de son père. C'est lui, il a besoin de toi là. Il s'est bien niqué des mères dans les caves. Bon, ouais, va voir ce qu'il veut, Thomas. Ouais, vas-y. Putain, je le fais bien en plus. Hein. T'as chié ou quoi? Non, mais on c'est dirait, mon fauteuil. On dirait bien franchement bien. Le mec qui raconte les histoires un peu dans Confession Intime. Bah, c'est ça, alors, ouais. T'as des sous sur le jeu ou pas? 65 000. Mais moi, là, je vais aller chez... là, c'est le coup d'envoi nouvel an, tu l'as fait celui-là? Non, bah attends, je t'en. Ah ouais, j'ai hésité à le faire hier, mais j'ai pas regardé. Alors, t'as nombre de championnats, 2 minimum en tant que titulaire. Pays, région, 4 minimum dans votre titulaire. Joueur rare, 3 minimum. Note 78, 26 de collectif. Attends, je vais trouver ça. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est. C'est Katompa Moomba, non, ça on s'en fout. Hein après... Maîtrise du puzzle hybride élite, tour du monde. Pourquoi Katompa quoi? Attends, mais non, mais c'est fait de l'année dernière, ça y est. C'est quoi ce que je vais faire? Je vais faire un. Je vais jouer en. Attends, il est quelle heure? 16h51. Ouais. Je vais faire un petit match en. C'était quoi les EBC que tu voulais là? En. Merde, comment ça s'appelle? En draft? C'était le truc de. Ballon, ça ouais. Solo avec le petit Johan Cruyff. Parce que si je participe à des matchs et tout, alors il te faut 5,5, il te faut 5500 crédits pour le faire. D'accord, mais après, ça d'un sens, il suffit juste que je regarde un peu ce que j'ai en joueur et puis les mettre, tu vois. C'est. Parce que là, quand tu participes à des drafts, tu débloques des bons joueurs là. La capitaine du Brésil et tout, qui a je sais plus quel âge là, 30 piges, 38 piges. Ouais, c'est ça, 39 ans je crois là. Ouais. Andy. Ah oui, merde, cool. T'es connecté sur Messenger ou pas là? Si. Ouais, vas-y. Ah. Tu mets exactement le même joueur. T'en as pour 5500 crédits, c'est que